Il y a le feu dans ma maison, le feu dans ma maison, ma maison brûle. Salut à vous. Et toute personne, tout citoyen qui souhaite voir son pays sur le chemin de l'émergence, sur la voie d'une véritable démocratie, doit hausser le ton et dire la vérité à ceux qui sont censés diriger le pays, à ceux qui sont censés conduire des processus qui peuvent nous amener sur la droite ligne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, votre Tidjan la puissance s'adresse à cette moribonde CENI, Commission électorale nationale indépendante, et mettons indépendante entre guillemets, parce qu'ils sont tous sauf des personnes indépendantes. Monsieur Kébé, pour ne pas dire maître, parce que maître, quelqu'un qui a fait le droit, et quelqu'un qui doit dire la vérité, rien que la vérité, qui doit sauver son honneur et sauver l'honneur de son pays. Comment sauver l'honneur de son pays? Il faut dire la vérité, il faut être derrière la vérité. Plus votre bande regroupée, qui sont maintenant des hommes issus de l'opposition et de la mouvance, vous êtes tous les mêmes. Parce que vous avez tous cautionné. Bien qu'à un moment donné, on a vu certains qui sont sortis, critiqués, mais ils sont là-bas, ils sont dans le système. Pourquoi vous ne sortez pas et dire vous laissez Kébé avec ce travail? Ne cautionnez pas ces mal. Vous avez biaisé le processus électoral, le processus du recensement, vous avez biaisé le programme. Dans les conditions normales, chaque année, on doit procéder à la révision de la liste. Et chaque année, les trois derniers mois, du mois d'octobre, du 1er octobre au 31 décembre, normalement, on doit procéder à cela. Mais vous ne le faites pas. Depuis 2015, il n'y a pas eu de recensement. Au-delà, les trois mois ne sont pas respectés cette année. Maintenant, ce qui est plus grave, même un mois, vous n'avez pas donné pour le recensement. Ce qui est choquant, ce qui est décourageant, ce qui est révoltant, c'est de voir encore le peu de jours que vous avez donné, vous avez biaisé, vous avez joué en faveur d'Alpha Condé parce qu'il a quelque chose dans la tête. C'est pourquoi je dis, Alpha Condé quelque part, nous parlons de lui. Mais le vrai malheur, les vrais ennemis de la République, ce n'est pas Alpha Condé, c'est ceux qui sont en train de l'accompagner dans son faux projet pour ingénuer, mettre tout un peuple à l'agonie. Vous avez vu comment ils ont fait en Haute-Guinée? Allez recenser les gamins, les bébés, les enfants de 10 ans, 13 ans, 12 ans. C'est là la réalité. Parce qu'ils estiment que là-bas, c'est le fief d'RPZ. Et là-bas, ils peuvent faire tout ce qui les bon semble. Et voilà leur technique. Tellement ils ont recensé par là-bas. J'ai suivi tout récemment des agents recenseurs qui ont dit dans le quartier là-bas, ils ont presque recensé plus de 90%. Mon Dieu, à Cancan, dans quelle zone de la Guinée où les gens ont été arrôlés, même à 20%? Dites-moi, dans quelle commune, dans quelle préfecture, dans quelle sous-préfecture? C'est tout proche de l'opposition où on pense, on estime que ceux-ci sont proches de l'opposition. Comme à Ratoma, comme dans le Fouta, comme en Basse-Guinée, comme quelques zones de la Guinée forestière, où ils l'ont fait. Ils ont envoyé des bonnes machines dans les autres coins. Lorsqu'on a parlé de manque de récépissé, ils se sont précipités. C'est d'abord la Haute-Guinée, ils ont ravitaillé en première position. Tellement ils ont recensé, les gens sortaient même dans la rue, les agents, ils étaient devenus des commerçants ambulants. Ils se promenaient dans les quartiers, aïna recensé, aïna recensé, recensement bantola léodi, aïna, 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 aïna de, naïmana, awa maningo, alfa konde la mansaya, nanya fe, toa noro, faïna recensé à Numala. La honte, c'est à l'image des Fanta qui vend la bouille. Monia, monikalama, aïna monisa, aïna monisa, monikalama ya. Eh, le Guinéen, quand est-ce le Guinéen aura l'esprit d'honnêteté pour travailler correctement, honnêtement, pour servir loyalement son pays? Ceux qui sont en train de faire ça, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un, mais c'est à eux-mêmes. Parce que vous êtes des responsables, vous êtes ceux qui causent le retard de notre pays. Vous êtes ceux-là qui sont à la base
de toute cette souffrance aujourd'hui en Guinée. Je suis abasourdi, dépassé. Je suis touché, choqué au fond de moi par rapport à toute cette situation qui se passe, chers compatriotes. Je me demande en réalité où va notre pays. Je me demande réellement qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de là. Mais je vais vous dire une chose, retenez bien. Vous avez vu ce que Maître Kébé a dit. Il dit que le processus prend fin. Sachant que beaucoup de localités de l'étranger, les gens n'ont pas été recensés, à savoir Angola, Sénégal, beaucoup de pays de l'Europe, même en Amérique ici. Chassant tout cela, il se permet de dire, pour insulter encore la diaspora guinéenne, pour insulter les Guinéens, tout court, il dit carrément que même si on n'avait pas recensé tout l'étranger, que cela n'allait pas entasser au blocus du processus électoral. On pouvait bien faire le travail et après passer aux élections. Que parce que ceux qui sont à l'étranger ne représentent même pas 0,35%. Quelle insulte! Même si c'est 0,000001, il est guinéen, il a droit à se faire enrôler et voter pour celui dont il veut. Ça, c'est quelle insulte! Hein? Vous vous moquez de qui? Mais je vais vous dire, retenez bien avant de finir. Nous partons vers une nouvelle transition en Guinée. Croyez-moi, Alpha Condé, il n'aura pas d'élection sous Alpha Condé. Il va glisser comme ça. Au terme de son mandat, nous allons mettre en place une nouvelle transition dirigée par certains acteurs de la vie sociale guinéenne pour recommencer le processus correctement, loyalement, honnêtement, pour qu'enfin le peuple de Guinée choisisse dans la plus grande joie leur futur dirigeant. Vous l'avez bien suivi. Il dit qu'il n'aura aucun jour qui rajouteront sur le processus du recensement. Ça a pris fin le 16, point, c'est tout. Mais au-delà, ce qui est ridicule, pour dire que les gens là, je ne sais pas comment ils fonctionnent, ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ils se permettent encore de dire qu'ils n'ont pas les moyens pour la suite du processus. C'est comme quelqu'un qui souhaite aller chez moi à Touguay. On lui donne le transport jusqu'à Mamou. Mais on lui dit tel jour tu dois arriver à Touguay. Il vient arriver à Mamou. Il a fini son parcours là. À partir de là, il se bloque. Il n'a pas de transport pour continuer. Il se bloque là. Et on lui dit après demain tu dois arriver à Touguay. Comment il va arriver à Touguay? Ceni nous dit qu'ils ont fait leur chronogramme pour le 16 février 2020 pour les élections. Maintenant, le recensement est fini. Ils sont limités. Ils se sont limités là. Mais ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour la suite du processus. Comment alors cette date sera respectée? C'est pourquoi je vous dis, une nouvelle transition pointe à l'horizon dans notre pays. Croyez-moi bien. Alpha Condé sera surpris. Il blague. La mouvance blague. Mais lorsque le peuple conscient, lorsque cette majorité silencieuse va se mobiliser comme le peuple du Burkina, Alpha Condé ira sous une anticipation. Ou à défaut, à la fin de son mandat, il sera mis de côté et une nouvelle transition sera mise en place. Un nouveau gouvernement qui va diriger une courte transition pour pouvoir nous organiser les élections. Mais cette CENI, retenez bien, vous êtes mal rentré dans l'histoire. Faites la honte qu'Allah protège les Guinéens et qu'il nous bénisse. Lorsque des gens qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de mentir, pour la finalisation des élections communales, ils se retrouvent. La mouvance dit qu'ils n'ont pas les résultats par quartier. La CENI dit qu'elle n'a pas. Comment ils ont programmé les résultats concernant les maires? Quelle honte! Et au-delà de tout ça, M. Aliou Condé a montré, a fait sortir les résultats que lui il a, que l'IFDZ a, que l'opposition a, quartier par quartier. Comment alors ceux-ci sont parvenus à avoir ça et que les autres,
le ministère de l'administration n'en a pas, et également la CENI. C'est pour dire que c'est des complices qui sont ensemble. Vous serez trimballés par le peuple. Alors seulement, tôt ou tard, parce que votre malhonnêteté intellectuelle a vraiment fait subir le peuple. C'est seulement des opportunistes, des apatrides, des gens qui n'ont pas de dignité qui soutiennent un tel système. Je vous dirai, sinon même si ton papa qui était dans ce système, il fallait lui dire la vérité. Papa, franchement, ça ne va pas au pays. Ne regardez pas vous vos intérêts. Ne regardez pas ce que vous mangez. Ne regardez pas vos constructions avec l'argent sale, l'argent du peuple. Et ce n'est pas l'argent volé. Mais écoutez, un ministre n'est rien, il n'a rien. Quelqu'un qui n'a même pas 10 millions, 15 millions. Lui, il est qui? Avec toutes les charges. Il n'a rien. Peuple de Guinée, conscientisons-nous, donnons-nous les mains, empêchons toute fraude en Guinée. Soutenons la vérité. Parce qu'avec ces fichiers, je vous assure, une élection sera une élection biaisée. Et ça peut créer le feu, ça peut faire tomber des gouttes de feu au pays. C'est pas ce que nous souhaitons. Qu'Allah nous protège. Sur ce, je vous remercie.